Remarquable Jean-Marie, bravo Jean-Marie, la confiance l'habite, il est sensationnel. Belle sortie Jean-Marie, le ballon on croise, tout à fait pour Cotteron, vas-y Francky, il y a un appui, il y a fait dans l'axe pour Cotteron, fait au-dessus du but, c'était le but de la qualification peut-être du break. Enfin on en a déjà trois, n'ayons pas trop d'appétit, et l'on revoit, regardez pour Cotteron, il a gardé d'abord, il centre, fait est là. Et ça passe pas tellement loin au-dessus, mais nous sommes bons, Roger. Oui, Franck, et notre chance peut-être, notre chance c'est que précisément, pour combler leur handicap, les Soviétiques vont devoir faire le jeu, vont devoir attaquer, et peut-être, espérons-le, se dégarnir à l'arrière, et ces espaces-ci vont devraient pouvoir en profiter. Attendons. Est-ce qu'on a encore, Roger, la force de courir? En tous les cas, nous risquons de les espaces. Espérons-le, attention, attention. Attention, en effet, une montée là, Jean-Marie. C'est Jean-Marie qui a fort bien relancé Enzo Chico. Enzo qui nous fait un match plein de lucidité. Il voit que le man, Yann que le man, il a vu deux gorgées d'eau et il est à nouveau prêt à courir. Sensationnel, Enzo Chico à contre-pied. On le bloque, garde le ballon. Le voilà qui se bat Enzo, magnifique. Le retour de que le man, Chico, vas-y Enzo, il a essayé de croiser, c'est difficile à réussir. Demianenko est tout de suite un diable dans les pieds. Et remarquablement, plus Klaassen, vas-y, Nico, il est arrêté. Très bien, tout descend. Et le ballon a du bon côté, c'est-à-dire dans le plan soviétique, c'est-à-dire aux abords dans le corner. 2 minutes 15 secondes dans la deuxième prolongation. 2-3 sous ce marquoir, là tout à droite. 2-3 dans notre cœur aussi. Et Kerensky va nous en faire une longue. Là, voici, là, voilà. Sur Cotteron, oh, il y a Renchou. Il y a Renchou qui a dévié, mais feu, il s'envole, un but important, de toute façon. Coup de coin, pour les diables. Et les Soviétiques, tout surpris de nous voir encore fringants. Il y a Renchou, vous l'avez vu, il a dévié, il était moins une qui ne l'ait vu de son premier vidéo. Excellente chose. Le temps passe, le vent se lève, et la confiance reste avec vous. Elle vous invite tout à fait. Coup de coin, sur Cotteron. Ah, il y a Klaassen, il y a que le man, il y a une montée de l'Esther. On va pas mal. Que le man récupère, que le man en retrait pour le bord peut-être. Il y a un bord qui demande le ballon. Yann, tu m'entends? Non, bien joué. L'Esther sort prêt. L'Esther qui laisse l'une de Klaassen, il remet de la tête dans le paquet. Et on prend une tête. Bien joué. L'Esther sort prêt. L'Esther qui laisse l'une de Klaassen, il remet de la tête dans le paquet. Et on prend une tête. Bien joué. Klaassen sont prêts. Klaassen qui laisse l'une de Klaassen, il remet la tête dans le paquet. Et on prend une tête. Et bien que notre voix s'en aille, cela n'a plus d'importance. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. C'est inimaginable. Bravo à ces diables, quelle leçon. Quelle équipe courageuse. Menée deux fois. Elle a pris l'avantage pendant les prolongations. Et voilà peut-être le but. Le but de la qualification. C'est le cap. Il faut maintenant caler la tête propre. Il faut se calmer, ce que je vais essayer de faire aussi d'ailleurs à mon tour, de tenir pendant moins de 11 minutes maintenant. 2-4 pour la Belgique, Nico Klaassen. Elle est passée de l'autre côté du terrain, et l'arbitre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un pénalty, mais ça n'est pas possible. Il se met à se voir, c'est ça que nous allons revoir, cette action. C'est incroyable, monsieur Fredericksson. Il a vu une poussée fautive, sans doute. Jean-Marie qui essaie de s'expliquer. Et la pluie qui tombe sur le stade de Léon. Le vent qui se lève. Et une occasion, mais celui-ci de revenir à 3 dans 4.
Attention au revoir. Et s'il y a eu une faute, alors à Bruxelles, vous êtes peut-être plus calme que nous, plus serein que nous. Mais je vous avoue qu'en mon âme et conscience, je n'ai pas vu de faute dans les tendres. Et ça va nous faire un peu la fille. Attention à Zelensky. C'est à mon avis de la note qui le frappe à la main des tasses. Trois quatre. Ils vont nous faire mourir, c'est pas croyable. Mais qu'on nous remonte encore cette phase. Oui. Qu'on nous remonte cette phase parce que je n'ai pas vu non plus de pénalty, peut-être bien. Ah voilà, non, franchement, je comprends pas ici. En tout cas, la toute petite colonie, ben, les gens arrivent, ils touchent encore ce ballon. Et on va voir derrière quoi, quel coup de poignard. Et Jean-Marie Carpaï, il a forcé au-dessus de son domaine. Oh, c'est la nove. C'est la nove, son 3-2. Quel anti-dinosti, c'est la nove. Est-ce que ce chrono va avancer? Le ballon était Jean-Marie dans la mêlée. Bousculé par Zahid. C'est quoi de la Coupe du Monde, en Jésus, ce n'est pas un match. Il va faire date. Oui, André, oui, Franck, comme l'a été d'ailleurs cette fameuse demi-finale de Séville que j'avais eu l'occasion de commenter entre la France et l'Allemagne, eh bien on est en train de vivre à peu près le même scénario ici. Espérons qu'on n'ira pas jusqu'au bout et qu'on n'ira pas au côté des pénaltys et que nous conserverons ce mince avantage, mais je crois que nous méritions mieux. C'est dommage que nous ne... Vraiment, il s'est affané dans la tente, il n'en pouvait plus, Eric. Il a fait un bon match. Nous devons rester calme, enfin, les diables mouvent. Cotterelle qui a essayé, il a raison. Il a vu que d'essayer peut-être avait un tout petit peu de l'attention, regardez ailleurs. Et le Cotterelle a déplacé le ballon très très loin. 8 minutes et 2 secondes. Devant ce lien, même chose. Pas de chance, j'ai eu pour être 10 minutes devant, non. Tu es le man, il est vraiment à portée de secours là-bas pour essayer d'envoyer trois possibles. De Yann, il est sauvé, c'est Demirenko. Bah, ils sont fatigués aussi, évidemment. Ils sont fatigués, quel match, maintenant, carrément, et Rogenov, Yaretsu, 31 décès dans ce pied, il s'est accroché, non. Il n'y a rien trop vite là, il y a un dégagement de Stéphane et de Rancière qui était revenu prendre sa place. Je le répète, leur jeu c'est dangereux. Évidemment, les solitaires qui ont plusieurs beaucoup de fraîcheur à début de non plus. Donc leur vitesse de course doit être sensiblement émoussée. C'est en tout cas notre jeu le plus cher. La fin de 5 secondes dans cette deuxième prolongation. Et la pluie qui tombe, c'est la grâce, c'est ainsi du ciel, c'est notre grâce. Léon est à nous, le ciel est à nous, les dieux du foot seront avec nous jusqu'au bout, il faut le croire, et s'il faut qu'il se fasse, mais non, monsieur l'armée. Rodionov, bonne intervention de Kleister, parce qu'il y a une contre-attaque possible, une contre-attaque résumée, et que le Nancy court encore, vas-y, mette le ballon, il le met pour bien, Clarsen qui a réussi, ah, c'est dommage. Nico, il a essayé de faire achever Roger. Oh, il a oui. Pu le premier à faire. C'est bien dommage, il était en position de tir, Franck, il aurait pu se lancer. Sachant qu'il n'a pas osé, il a pris le premier à faire. Il a vu que le match, il s'est dit, il y a pas beaucoup comme ça, normalement, il donnait la balle. Et là, une fois qu'il va voir, dans une obstruction, l'arbitre est joué, là, je ne comprends pas. Il nous en veut, cet arbitre, c'est pas possible pour le moment, il nous en veut. Oui. Il y a Rachou. Il y a Rachou qui ouvre, il y a toujours. Il fait toute seule encore maintenant. Il vient nous embarrasser. Il sait de l'arrêter, il faut aller au ballon de gauche. Comment l'arrivier, rentrer à prolonge. Or, les limites de jeu. À notre chrono, 10 minutes à 10 secondes. 4 minutes et demi à tenir, à résister. Les 4 minutes et demi, c'est le plus long du football belge. De l'histoire de ce foot Kleister. Or, les limites, il y a Renshaw. Et rentrer à 10 ans. Mais pas un peu de chaussure. Rentrer, il a pris à Renshaw. C'est tout ça, les politiques sont vidés également. Non, c'est ça. Je le mal. Côté ouvert, côté Chico. Avec un Chico le plus vite. Et Chico qui prend l'eau. Pour Van der Waal, qui est parti dans son style. Il y en a plein de mal de vrai. Van der Waal continue. Que fait-il, il marche. Non. Mamma mia.
c'est pas croyable, Léo Van der Rey qui a traversé tout ce terrain pour placer ce ballon tout à côté du but. Cette occasion, Roger, cette occasion pour les Belges. Ici, c'est le contraire, il aurait dû centrer un peu en retrait, mais je crois que ils sont nerveux. Ils sont en train de subir cette pression extraordinaire. Un œil sur le chrono, il reste à mon chrono moins de 4 minutes à jouer. Attention, il faut tenir, il faut tenir. Attention. Il faut tenir les tripes, si tant est qu'il y a encore quelque chose à donner d'ailleurs. Jean-Marie, garde le ballon. Jean-Marie qui joue le chrono pour 2 minutes 41. Et jouissant,